Je suis entré dans le milieu circassien, j'ai fait du dressage pendant une vingtaine d'années. J'ai eu la chance qu'on m'offre deux bébés tigres il y a à peu près 25 ans. Et puis en fait, c'est parti comme ça. Le quotidien d'un dresseur, c'est de travailler avec des animaux, hein. C'est de les prendre petits à partir d'un an, une fois qu'ils sont sevrés, et puis jusqu'à 2-3 ans, et puis leur apprendre des exercices pour qu'après ils soient présentés dans différents endroits. Mais bon, ça c'est du passé. J'ai eu un déclenchement, mon épouse m'a offert un voyage en Inde où j'ai pu voir le tigre en milieu naturel. Et pour moi, c'était vraiment un facteur déclenchant et un changement de positionnement où j'ai décidé d'arrêter ce métier tourné vers la captivité pour me consacrer à la protection in situ en milieu naturel. J'étais avec mon guide, il me disait « oui, il est là », on savait qu'il était à proximité parce qu'il y avait des cris d'alarme, etc. Et puis en fait, ben, au bout de 3 heures, on voit un animal arriver. Il est resté un quart d'heure à 4 mètres de moi et puis voilà, c'était un moment magique et très fort. C'est toujours un émerveillement assez important. En fait, c'est un animal qui est tellement charismatique, tellement solitaire, que c'est, enfin, il faut venir voir pour comprendre.